Le lundi, matin, je réveille mon fils d'aller se laver. Il ne pouvait pas se lever. Il dit, maman, je ne peux pas. Je dis, il y a quoi? Il dit, bon, attends, lave ta petite soeur. Toi, tu vas aller te laver. L'enfant allait pisser, il est rentré dans la chambre. Je rentre, l'enfant est évanoui. Aïe, il y a quoi? Je l'ai soulevé. Mettre deux sauts dessus, ça ne peut pas. Et si elle prend le sang de Jésus, il dit, Dieu ne va pas faire rien. C'est toi, c'est je connais. Pour voir mon enfant. Mais voisine a dit, il faut le prendre, c'est à partir à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai dit oui, j'ai compris, il n'y a plus mon enfant. Puis je suis venue derrière papa ici. On est venu. Quand on est arrivé, la maîtresse dit, comme il encrade des amis, la maîtresse n'a qu'à venir l'appeler. Il est parti. Elle m'a dit, ah, on dirait quelqu'un qui est tombé marié à longtemps. Comme c'est ça, j'ai dit, d'accord. On est là. Mardi, il dit, bon, attends, il est parti à l'hôpital, on allait faire les examens, on dit, il n'a rien. Il dit, d'accord. Le mercredi, on est revenu ici encore. Quand on est venu, il a expliqué à papa. Papa dit, prends ta joie. Puis on est parti. Il dit, prends le lait. On est parti. Il allait se coucher. Jeudi matin, il veut partir. Il me dit, maman, il a fait un soin. Si il vient, il te dit, il n'y a pas de problème. Tu ne vois pas quelqu'un, il dit, non, il ne va pas au travail. Il faut partir. Quand l'enfant est venu, il me dit, maman, la nuit là, quand je dormais, c'est comme tu es venu ou du travail à 1h du matin, puis tu es allé payer pain. Quand il venait, il y avait 10 personnes devant moi. Il y a 9 là, puis il y a un qui est à la porte. J'ai commencé à courir. On me dit, oh, faut le laisser, il va courir. Où il s'en va là? Il va aller mourir. Il dit, maintenant, quand il est arrivé devant, papa Florent est sorti devant lui. Il dit, mais il y a quoi? Et puis tu cours. Il dit, maman m'a envoyé d'aller payer pain. Les gens veulent me tuer, ils ont les cornes noires. Quand il a dit ça, et puis papa a dit, bon, faut t'arrêter en prier. Puis il a prié, il dit, bon, tiens l'argent, va payer l'autre pain. Tiens, envoie à ta main, vous allez manger ma cala. C'est ça, il a envoyé le pain. Maintenant, on a fini de manger. Maintenant, il dit, c'est quoi, on est parti au village. Il a recueilli, mais il aime mango. Quand il a recueilli mango, il veut couper mango, là, c'est l'œil de l'homme, il voit. Maintenant, quand il a vu l'œil de l'homme, là même qu'il a accueilli, là, c'est transformé en l'homme. J'ai dit d'accord. C'était le jeudi. Vendredi, il est parti. Il faut partir à l'école. Il dit, maman, j'ai encore sommeil. J'ai dit, tu vas composer mardi. Pardon, faut partir. Faut aller prendre convocation. Si tu viens déposer là, tu vas plus partir. Il dit d'accord. Je suis là, il voulait laver, habiller le matin. Tout mon corps là, j'ai dit, il ne peut rien faire. Je suis là, les élèves là. Oh, tanti, la maîtresse est devenue. Je suis en train de mourir encore. Je suis en train de mourir. Je suis sorti nul. J'ai pris un morceau de pain. La maîtresse a arrêté, personne n'a dit allez-y à l'hôpital. On est parti. On avait fait tous les examens. On venait faire un ici. Mais quand on arrivait, en ce moment, ils ne voyaient pas. Quand on arrivait ici, ils partaient, ils ont lavé son visage. Je suis allé prendre mon sang de Jésus. Même mon portail a pris le sang de Jésus dans la voiture, lui donnait. Puis on venait et dit Dieu le papa, je viens, parle-moi. Ce que j'ai fait là, il faut me dire. Faut me dire. Maintenant, c'est quand on arrivait, on venait faire un examen à l'hôpital qui est ici. Et puis il me dit maman, c'est ici on passe pour aller chez papa. Là. Il a dit, ah, c'est que tu t'es retrouvé un peu. C'est ça, quand on a fini, les amis l'ont dit, bon, à 15h. Moi-même, j'ai oublié que hier, papa ne travaille pas. Il a dit, bon, allons. Lui-même, il a marché, puis on est venu. Quand on est venu, même, s'il était midi, on a croisé papa. Papa dit, c'est là, elle va à la réunion. Il a dit, tellement, mais je suis trouvé, je ne pouvais pas parler. La femme qui a dit, bon, va prier, puis tu as descendu. Il a dit, bon, on veut. Papa dit, bon, si tu ne vas pas à la réunion, il faut partir. Il dit d'accord, je suis descendu la femme, mais il fallait l'expliquer, il allait le toucher simplement, mais ça fait rien. Je suis là, il pleure, il dit, faut pas pleurer. Il y a d'autres, mais les enfants restent dans ça. Si pour toi, là, tu es venu, tu as vu papa, là, faut partir. Amen. On est parti, on est arrivé à la maison. Il a prié le sang de Jésus, et puis elle m'a dit, prends le lait, j'ai pris le lait pour un pour eux. Lui, j'ai pris un pour moi. On est arrivé à la maison, la nuit, il dormait, il s'est réveillé, il dit, maman, il y a quelque chose noir qui s'assoit sur mon doigt. J'ai dit d'accord. Ce qui a su faire jour, non, il est 3h du matin. On va arriver chez papa. Tu as compris? S'il a fait que le jour est arrivé là, on va aller le trouver là-bas encore. Donc c'est comme ça. Vraiment, je dis merci au Dieu de papa Florian parce que si ce n'est pas à cause de lui là, partait pas. Il dit quand le papa Florian est parti, lui il a vu Saint-Michel et puis il dit ton âme là, on va prendre. Papa dit eh, prends ton âme. Donc je dis je le remercie beaucoup. Si ce n'est pas à cause de lui, je ne sais pas. Depuis lundi, il n'est pas encore mangé. Si c'est pas à cause de lui là, je sais pas où il allait me trouver. Amen. Amen. Amen.